Et salut tout le monde, c'est Wariox. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur The Evil Within 2, The Evil Within 2 en anglais. Et là on n'est pas bien parce que Théodore, on va dire qu'il nous a retrouvés, on nage dans le sang. Et on va continuer parce que j'ai pas envie de perdre de temps. On y va tout de suite, un vélo, ça serait Lily. Lily, c'est toi? Oui, ok, tu es là, je sais. Alors là j'ai pas forcément peur, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il va se réveiller. Non, pas du tout, tant mieux. Un peu d'infiltration. La bougie. Non. J'ai mon couteau en main. Ah non. Ah non, pas ça. Non, non. Voilà. Tac. Tac. Et ça dégage. L'impression qu'il m'a vu, non? Non, ça va. On va le suivre, on va le suivre, on va le suivre. Et c'est parfait. Hop. C'est bon, j'entends un autre. Entendu, hein. Merde. J'ai entendu un truc qui me plaît pas. Oh. Bonjour, toi. On va te faire des balles dans la tête. Hé, hey, tu bouges pas. Ah bah oui, les dégâts, hein. Voilà, parfait. J'ai économisé une ou deux balles. Enfin, je dirais une balle, mais bon. Sachez que économiser une balle, c'est énorme. Poudre à canon. Sachez que j'ai plus beaucoup de balles parce que j'ai utilisé tout. Ah, attends, une lettre. Tout sur le boss l'épisode d'avant. Page brûlée de soumis à la liberté 2. Qu'est-ce que la liberté? C'est un mot et un concept sujet à de nombreuses interprétations et à la fois hautement insignifiant à l'échelle de l'espace-temps. Nous sommes faits d'atomes. Chaque atome possède un noyau central entouré d'électrons. L'espace entre ces éléments est vaste. Nous sommes donc principalement constitués de... vide. Voilà un fait difficile à faire... À quoi vo... Non mais je me déconcentre parce qu'on m'invite sur Fortnite alors que je déteste ce jeu. Voilà un fait difficile à accepter, mais ce savoir offre un certain pouvoir. Ce consentement offre une certaine opportunité. La soumission offre une certaine force. Tant vous acceptez de vous soumettre à la liberté. Dossier 3... 33 sur 40. Eh, pas mal, hein, j'ai récupéré pas mal de dossiers. Je pense que j'en ai loupé, mais bon. Lui, il est pas mort, lui. Si, il est mort. Clairement mort. Rien d'autre, on ne dirait pas. C'est par là-bas, mais je visite. Voir si j'ai pas oublié des petits trucs. J'imagine que c'est là. Attends, là, il s'est obligé un truc. Qu'est-ce que c'est? Des balles? Oh, merci. Oui, j'arrive, ma fille. Alors j'imagine que dès que j'ouvre la porte, ça va faire une connerie. Ah non, je peux pas ouvrir. La poupée. Oh, je t'ai pas vu en tout cas. C'est vrai que Sébastien t'a fait le con. Hein. Oh, c'est le début. Moi, je devais une pichenette. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est vrai, il n'y a pas écouté. Vous avez refusé d'écouter. Vous les avez perdus. Puis vous vous êtes perdu vous-même. Vous ne savez absolument rien de moi. Mira, qu'est-ce que c'est que ça? Toujours atteindre ce but en se soumettant, en collaborant. Wow. C'est quoi ça? Oh non, j'ai pas assez de balles. Tant pis, je vais claquer un... Ah non, attends, je vais pas faire un carreau explosif. Au pire, ce que je fais, c'est que... Attends. Carreau immobilisant, on va voir ce que ça fait tout de suite. Non, bouge pas! Saloperie, va. Attends, déjà, ça, j'avais même pas rechargé. Ah, merde!
Une seringue. Ah non, ça a pas marché. Merde, merde, merde. Bim. Ça s'en va. J'ai obtenu une seringue et je vais me la piquer tout de suite. Voilà. J'aimerais bien un petit point de sauvegarde aussi, ça serait sympa. Ou un miroir, c'est pas mal un miroir. Qu'est-ce que c'est que ce... Là, il y en a encore un devant. Là, ils sont sur les ordres de Théodore, là, plus de Stefano, là, les zombies, là, je crois. Et bah voilà. On m'a vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Attends. 2 secondes, mon gars. Tu es où? Ah, t'es là. Moi, je te dis bonsoir. Tu me respectes. Voilà. Ah non, c'est pour un certain temps, merde. Ah merde. Oh shit. T'es mort ? Ouais. Je vais attendre que ma vie revienne. Oh, le corps a disparu. Alors maintenant je peux plus rien dire maintenant. Parce que c'est vrai que Sébastien a fait des conneries. Mais d'un sens c'est vrai que c'est irréel. Alors, où est le zombie? On m'a vu. Oh non! Attends. Non! J'ai des conneries. C'est quoi ces conneries? Il m'avait dit que j'avais des... carreaux explosifs. Carreaux fumigènes, hop! D'un seul coup, tu contre-attaques, tu prends le pistolet, mais non. Du coup, tu prends ça et tu changes. Merde. Oh là, je suis dead là. Merde. T'es mort ou pas, je crois. Ouais. Je peux avoir un point de sauvegarde et des balles. Je n'aime pas ce lieu, hein, je le dis. S'il fait très sombre. J'ai cru voir une statuette ici tout à l'heure, mais non, apparemment. Ah là, par contre, ça commence à descendre. J'ai fouillé les petits coins ici. Oublier que j'ai une clé. Ah, ok, ah, j'ai pas vu ça. J'ai plus de balles hein, en pistolet. Ah si, j'ai 2 balles. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a encore là?
Merde. Tant pis, j'ai utilisé 3 balles, mais bon. Si je peux avoir ça, déjà bien. J'ai plus de vie, j'ai rien du tout, il faut que je bois un café là. Sauf que je crois que j'aurai pas un café si facilement. Théodore, il va être de l'autre bout, non? Je le sens bien. Comment ça, j'arrive toujours trop tard? J'ai survécu à Beacon. Je sens bientôt la fin quand même. Il est où Théodore? Il va être là-bas. Attends, il y aurait pas. Attends, tu vas pas me dire que tu vas pas me donner un pas de sauvegarde avant le boss. Wow. Hey Lily! C'est vraiment toi? Non, moi je dirais que c'est Théodore. C'est une hallucination, non? C'est ta boss. Salut poupée. Lily. Bah oui, forcément. Non. Lily. La voilà. Votre précieuse fille. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Papa. Tu les as laissés faire. Pourquoi tu m'as pas sauvée? Regardez, il en pleure, c'est trop stylé. Je t'en prie. Je ne pouvais pas, mais je le voulais. Non, n'oublie pas de faire ça. Un câlin? Ah non, c'est pas un câlin. C'est un câlin très douloureux. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Condamné à répéter les erreurs du passé. À moins de me rejoindre. Acceptez, et grâce à moi, vos rêves deviendront réalité. Ensemble, nous pourrons extirper Lily des griffes de Mira. Dès que j'aurai la puissance du noyau, vous serez enfin libérés. J'ai plus de balles, hein. Il faut plus que des balles pour m'arrêter. Vous ne comprendrez donc jamais. Oh le con! Tu m'as tiré dessus, Sébastien! Pourquoi? Non! Non! Oh le con! Putain, l'hallucination! Allez! Il faut sortir d'ici! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais, tu meurs et je prends ta mitraillette, c'est ça? Je le sens en fait. Lâchez sa mitraillette. Eh, je la prends moi. Ah non, par contre, meurs pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu peux pas laisser t'atteindre. Il doit payer. Ce sale enfoiré doit payer. Sébastien, ça va pas? Tu te sens pas bien? Tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. C'est moi qui perds la tête, là. Mira. Ça me fait rappeler Leslie quand il disait « On perd la tête, on perd la tête ». Je suis où, là? Et là, c'est la fin du jeu, on a tout rêvé, en fait. T'imagines? Où est-ce que... Je suis chez moi. Mais comment...
Et attends, tu vas pas me dire que j'ai fermé la porte à clé, je suis chez moi. J'aurais pas laissé de la poudre à canon chez moi, enfin normalement tu laisses un petit pistolet dans un placard, c'est légal quand on est flic. Surtout en Amérique, t'as le droit de laisser un fusil à pompe, alors tu peux laisser tout ce que tu veux en Amérique chez toi. Mais ça c'était la maison avant qu'elle brûle. Faut pas que je vais chez Lily quand même en premier. Attends, avant qu'on va chez Lily, ouais. La chambre de Lily. Exactement comme elle était. Comme j'aurais aimé qu'elle reste. C'est comment dehors? Il y a la bagnole rouge. J'allumais ma lampe torche pour rien. Ah! Une pellicule! Diapositif. 8 sur 11, j'en avais loupé une. Donc il m'en manquera deux. Voilà pourquoi je fouille tout. Puis des fois je lis tout parce qu'il nous donne des indices des fois. Puis pour l'histoire aussi. Les dessins de Lily. Ah, j'espère qu'il lui reste une once d'innocence après tout ça. Ça, c'est son bureau, ça. Je me suis tellement laissé aspirer par le boulot. Si seulement je pouvais récupérer toutes ces heures, je les passerais avec elle. Symbole mystérieux, vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant, mais vous n'arrivez pas à savoir ni où ni quand. Non, vous ne savez pas. Vous n'arrivez, mais n'arrivez pas à savoir où ni quand. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette, donc vous décidez de le garder dans votre salle. Ça, c'est toutes des références à des jeux, en fait. J'en ai loupé deux, je crois. Et bon, c'est pas fort intéressant. Après, ça dépend combien j'en ai loupé, mais en tout cas, deux, c'est sûr, je crois. Mira, Lily. Oh. Bon, j'imagine qu'il faut que je vais là-bas. Que j'aille là-bas, plutôt. De quoi un? J'aime pas quand tu dis un. C'est fermé. What? Putain, j'ai cru que c'était une meuf là, la poussette. J'ai cru que c'était Mira, elle m'a fait peur. Pour regarder la téloche, non? Regardez, touche pas au poste. Rien d'autre là, y a pas de papier, y a rien. Ah si. Mais d'abord. On t'a dit un parce qu'il y avait une feuille. Les dernières paroles de Mira. Elle était cachée dans ses dossiers. Tout semblait si insensé à l'époque. Mais j'aurais dû la croire. Ils ont pris le temps de. Ah. Si tu lis cette lettre de Mira. Je crains que le pire ne me soit arrivé. Mes recherches m'ont donc trop approché de la vérité. Malheureusement, on ne se reverra peut-être jamais. Je suis navrée de t'avoir caché tout cela. Mais je l'ai fait dans le seul but de te protéger. De la vérité comme de ma folie. Tu trouveras ici une copie des fichiers. J'espère de tout cœur que tu ne les recevras jamais. Mais dans le cas contraire... Je te demande de terminer ce que j'ai entrepris. Je t'en prie, rends-nous justice. À Lily et à moi. Je t'aime de tout mon cœur. Mira. Ah bah elle l'a dit. Et là tu pleures, non? Ouais. Putain, comment on est dégueulasse, regardez ça. Comment t'as le design des cahiers à droite? Je suis vraiment navrée, Sébastien. C'est tellement triste, l'histoire. Tu as enduré tant de choses. Tout ce temps. Tout seul. C'est vrai qu'elle était vraiment belle ta femme. Hein. Tout est ma faute. Tu as tenté de m'en parler. Mais je ne t'ai pas cru. Et me voilà maintenant en plein délire. À parler à une hallucination. Imagine, c'est elle vraiment.
J'ai échoué. Je n'ai pas pu sauver Lily des flammes. J'ai déçu tout le monde. C'est pas vrai, Sébastien. Tu ne pouvais pas la sauver de ce feu-là. Tu le sais maintenant. Toi, tu vas me dire qu'elle est morte, on devait la sauver. Mais je n'ai pas su la protéger. Comment aurais-tu pu ? Mobius est une force hors du commun. Tu t'accuses à tort. Personne ne peut se dire responsable d'un séisme. Rien de tout ça n'est de ta faute. Elle a posé sa main, ça a vibré ma manette. Tu dois arrêter de te torturer. Tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que je t'ai épousée. Il y aurait une charte de cap maintenant. Et cette fois, crois-moi, tu peux la sauver. Donc elle est pas morte. On sait jamais. Et là, tu reprends ton délire. De nombreuses forces s'opposent à toi. Tu dois rester fort. Ne laisse pas le passé prendre le dessus. Je te pardonne. Et Lily en fera de même. Mais la chose la plus importante, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Que je me pardonne à moi-même. C'était pas mal tout ça. Elle a raison. Elle a toujours eu raison. Théodore utilise ma culpabilité contre moi. Mais en quoi suis-je coupable ? Tout est leur faute, pas la mienne. Ils m'ont tout pris. Je suis pas à l'origine de tout ça. Mais c'est moi qui y mettrai un terme. Et que Dieu vienne en aide à ceux qui me barreront la route. Qui est-ce ? Attends, j'ai vu un truc. Mia. Quelle femme étonnante. T'as obtenu souvenir mélancolique. Elle réussissait tout ce qu'elle faisait. Pas étonnant qu'elle ait réussi à infiltrer. C'est parce que j'ai tout regardé. Lorsqu'elle a quelque chose en tête, rien ne peut l'arrêter. Comme moi. Parce que quand je bouge, il toque. Ouais, bah deux secondes, je suis en train d'écouter là. Je suis en train de parler. What the fuck? La moelle, l'installation. Mais. Trophée obtenu, éveil spirituel. Hoffman? Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, tu l'as tué. Ah non, c'était des zombies qui l'ont tué. Ça conduit ici. Je suis navré. J'ai tenté de la sauver, mais... C'est marrant parce qu'elle est noire, j'aurais dit celle qui meurt en premier, mais non, elle est pas noire en fait. La plaie par balle était superficielle. Elle a succombé aux blessures que ces créatures lui ont infligées. Putain. Elle aurait pas dû mourir comme ça. C'était un soldat hors pair. Elle voulait uniquement sauver Lily. Et la voilà morte. Tout est ma faute. Encore une fois. Non, c'est faux. C'est pas de votre faute. Tu as fait saigner quand même avec ta balle. Hein. Ne laissez pas vous infliger ça. Vous avez raison. Ce fils de pute. C'est exactement ce qu'il attend. Il essaie de me culpabiliser. Mais c'est lui le responsable de tout ça. Pas moi. C'est lui le coupable. Bon. Il est temps de faire le grand ménage. Il faut que je retrouve Théodore. C'est pas le problème. On va me dire c'est chapitre 13, là. Détruire la machine de l'IA m'a bien fonctionné. Théodore n'a plus nulle part où se cacher. Le problème, c'est de l'atteindre. Comment ça? J'ai récupéré ça à partir des caméras de surveillance extérieure. Regardez. La forteresse de Théodore se trouve au centre d'Union.
Le problème, c'est qu'elle est entourée d'une épaisse muraille de flammes. Eh merde. Je pourrais jamais traverser ça. Je pense qu'il y a un moyen. J'ai trouvé un appareil dans la salle d'équipement de Liam qui devrait pouvoir... Oh, le fusil d'assaut. Parfait. Voyons ça. Il n'est pas encore prêt. Je dois encore faire 2 ou 3 réglages. Ok. Faites ce que vous avez à faire. Il me semble avoir vu un hôtel dans le coin. Je vais voir s'il n'y a pas de danger et je vous envoie les coordonnées. Vous n'aurez qu'à m'y retrouver avec l'appareil. Ok. À tout à l'heure. Encore une chapitre 13. Forteresse. Théodore joue avec mes pensées. Chaque fois que je le vois, il retourne mes cauchemars contre moi. C'est tout lui. Il est maître en programmation neurolinguistique. Par contre, faux raccord, là. Regardez derrière. Elle avait pas un drap sur elle avant. Pourquoi perdre son temps à parler quand il lit en vous comme dans un livre ? Il a bien failli m'avoir. Mais j'ai cherché en moi-même. Et j'y ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui m'a dit ce que je devais faire. Je sais maintenant que je peux l'affronter. Ouais, ça se voit que vous êtes prêt. Mais comment ? Ouais. La psychologue de l'équipe. Esmeralda aurait peut-être survécu si elle n'avait pas tenté de me sauver. Ne culpabilisez pas. Elle m'a parlé du plan pendant que j'essayais de la sauver. Elle voulait le voir réussir. Elle a pris la décision de vous y inclure. Elle connaissait les risques et elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Elle a dit vous être redevable. Mais de quoi ? Nous nous connaissions à peine. Esmeralda est l'agent qui a enlevé Lily et qui a incendié votre maison. Elle se sentait coupable. C'est pour ça qu'elle a rejoint Mira. Quoi ? Et c'est pour ça qu'elle a risqué sa vie pour vous. Quoi ? Ne la détestez pas. À l'époque, elle n'avait pas le choix. Quoi ? Elle a tout fait pour réparer ses torts. Je ne peux pas la détester. Elle s'est sacrifiée pour le plan. Elle s'est largement rachetée. C'est à cause de elle que notre fille, enfin, elle est pas morte, mais... Attendez. Donc c'est à cause de elle tout ça. Alors, 10 poudres à canon. 5 balles de pistolet. 40 pièces détachées. Et le final, ne me dis pas qu'il est cassé, hein. Oh non. Enfin, ouais, pour l'arme, mais... Je suis désolé, Esmeralda. Ta mort n'aura pas été vaine. Compte sur moi. Je vais le traquer comme le sale chien qu'il est. Je pense qu'aussi qu'il est pas assez puissant. Fusil d'assaut, cette arme automatique utilise des munitions de fusil standard. Puissante mais consomme rapidement les munitions. Ouais. J'aime bien, ça a l'air d'être un gobelin en fait. Ah, par contre un petit bug, mais bon c'est pas grave. Faire un coup l'arme. D'ailleurs j'ai toujours pas l'accessoire pour... J'ai que seulement 30 balles. Je vois pas le viseur, c'est normal. Peut-être parce qu'on est dans une planque. J'ai toujours pas les outils de réparation pour... Lance-flamme. Hein. Ah, café. Tout de suite. Après tout ce qui s'est passé, un café, ça se mérite. Hein. Voilà. Bon, ensuite, on va aller voir le miroir. Je sais pas si j'ai d'autres choses à prendre, je ne crois pas. Non, je dois aller où, là ? Le miroir, il est derrière. Ah non, il est devant. What the fuck? Attends, mais ça, c'est un nouveau miroir, ça. Moi, que j'ai jamais vu. On va regarder la diapo. Dernière était intéressante celle-là, maintenant c'est quoi ? Ah. Kidman. Oui, Sébastien. À quoi pensez-vous ? À Lily. Tout ce qui arrive ici est à cause d'elle. Non, c'était dans le trailer. Feu. Comme si elle plus était ça. Un objet ou une chose à posséder. C'est elle la vraie victime. Ça, c'est dans le trailer. Elle ne sait même pas ce que c'est de vivre une vie normale. Toutes ces années avec Mobius ont probablement anéanti son innocence. C'est toujours une gentille petite fille. Ce trailer. J'espère. Trailer. On lui a volé son enfance. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. De se faire des amis. Bah, elle a pas été à l'école maternelle. Toutes les vacances qu'elle a ratées. Ça me brise le cœur de penser à tout ce qu'elle a enduré. Lily a toujours été si précoce, si intelligente et observatrice.
Elle avait cette manière de vous regarder. Vous saviez tout de suite qu'elle vous avait compris. Pas seulement ce que vous lui disiez, mais aussi ce que vous ressentiez. J'ai toujours su qu'elle était spéciale. Mais je croyais que c'était parce qu'elle était ma fille. Lily est spéciale. Elle a été trouvée en raison de ses résultats incroyables aux tests standards. Je continue de parler d'elle au passé. Ça me semble irréel qu'elle soit vivante. Et ici. Bah ouais, tu parles comme si elle était morte. Mais vous devez la sauver avant de pouvoir renouer des liens avec elle. Je suis là pour vous aider. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Ok, bon, on a coupé le micro, très bien. Alors, t'as quelque chose pour moi, petit chat? Ah, merci. Eh, tu dis pas merci le chat? Dis-moi merci le chat. Attends, j'ai cru voir un truc qui clignotait, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Très bien. Bon, on va enfoncer cette porte, boum. Alors, notre petit truc qu'on a trouvé, là. Ok, j'en ai que deux. Je crois que j'en ai loupé plein, mais... Alors, tout ça, on a déjà vu. Ah, O'Neill, non. Je ne voulais pas le tuer. Mais Théodore ne m'a pas laissé le choix. Voilà. Le noir, il était pas mort. Normalement, il était mort, hein, je crois. Lui, déjà vu. Lui. Déjà vu. Ça, on a tout vu. Je crois que tout y est bon, là. Bon, on va améliorer... attends. J'ai cru voir quelque chose, mais non. Améliorer nos aptitudes si on peut. Se faire des balles. J'aimerais savoir combien c'est une balle pour un fusil d'assaut, ça me fait peur. Ah, ça va, c'est un truc. Enfin, c'est chiant quand même, hein. C'est énorme. Limite, je peux faire ça, hein, mais... Non, on va pas faire ça. Je vais faire 18 balles. Et je suis fou, donc je vais le faire. Sinon, j'ai pas de seringue. C'est la merde. Alors, amélioration d'armes. 430. Ça, il me faut 800. Et ça, c'est 360 pour les coups critiques. Donc, directement, 60% de chance de faire des coups critiques. Et si un jour j'ai 800 pièces détachées, puis puissance de feu 5, mais ça m'étonnerait, parce qu'en plus, je crois qu'on est bientôt à la fin du jeu. On va s'asseoir. Aller voir notre belle Tatiana, lui parler aussi. J'ai une clé. Détendez-vous, inspecteur. Que puis-je faire pour vous? T'asseoir. Le truc que je lui ai mis. Alors, casier. Tiens, ça me fait envie, mais je vais ouvrir celui-là. Oh, 40. Waouh, c'est énorme. 40, les gars. Ça fait plaisir. Je sens que vous vous préparez pour quelque chose qui vous fait peur. Oh oui. Je n'ai peur que d'échouer. Si je ne réussis pas... Alors vous vous serez sacrifié pour une noble cause. Si je me sacrifie, il ne restera plus personne pour mettre un terme à tout ça. Le sacrifice, c'est perdre. Parfois. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire pour avancer. Espérons qu'on n'en vienne pas à cette solution. Non, j'aurais pas mis la chanson de Niska, je sais plus... Non, c'est pas ça. C'est qui. Il n'y a aucun mal à être trop prudent. Elle m'énerve avec sa confrontation. Vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat. il me manque quelques gels pour avoir le sprint en plus. Donc je vais attendre. Merci Tatiana. On va les sauvegarder. Je sais que cet épisode, on aura beaucoup parlé. Enfin, ils auront beaucoup parlé, mais bon... C'est bien pour l'histoire, sachez-le, c'est très bien. Ça, s'il n'y aurait pas de cinématique, ça serait complètement nul. Ah, je peux pas créer de plus de... Ah merde. Alors ça va être chiant parce que... Ah merde, je peux pas en effacer plus tard, j'espère. Allez, c'est reparti. Et on va continuer l'aventure. Est-ce que c'est ici? Je pense. Traverser les ruines d'Union pour atteindre l'hôpital du quartier des affaires. D'accord, où est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est pas là en fait. Enfin si, il y a des bougies et tout, c'est pas pour rien. Ouvert. Salut, je t'ai déjà vu toi. Non. Ah. Sur le sprint, on en aura besoin, hein. «
je vais passer par ici. Je suis sûr que c'est pas par là qu'on doit aller. Eh non, je suis con, c'est pas là. Ah non, mais moi j'en sais rien, on n'a aucun objectif sur la carte. Du coup, il faudrait que je vais là-bas ou là ? Allez, c'est là. C'est là ou pas ? J'ai pas l'impression. Enfin, il y a un ordi, mais bon. C'est là. Quelqu'un m'entend ? Sykes, vous êtes toujours là ? Tout va bien ? Sébastien, c'est justement vous que je cherchais. Je vais bien, mais j'aurais vraiment besoin d'aide. Vous ne le regretterez pas. Je ferais bien de me rendre dans sa planque. Et voir ce qui se passe. Je sens le piège, hein. Début de la mission, la dernière étape. Ça, c'est une mission secondaire. Bien sûr que je vais la faire. Vous inquiétez pas. Ah, des cartouches de fusil à pompe. Cool. Rendez-vous à la planque de Sykes. Ah, c'est où? À la Union, poste plus. Ok. Enfin, apparemment, on sera devant. On sait jamais. Hein. Enfin, plus tard. Pour l'instant, on a chargement. Allez, courons à l'infini. Je vois une lumière au bout. Serait-ce ma belle Tatiana? Je ne pense pas. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est que cette lumière là-bas au bout? Cherchement 99%, c'est pour se foutre de ma gueule ou... Ah, fallait que j'arrête de sprinter, bizarrement. Ah. On peut encore sauvegarder. Oh, attends, mais il y a du matériau ici, il y a du matos. C'est bizarre ça, hein. C'est clairement un piège. Je peux reboire du café, mais ça servira à rien. Du gel rouge! J'ai deux gels rouges, là. Il faudrait peut-être que j'en fais quelque chose, hein. Non. Pièce détachée supérieure, deux et tout. Alors, j'irai plus tard, j'irai plus tard. Bon, je pense pas que c'est la fin maintenant. Hop, on sauvegarde. Voilà, j'ai dépassé les 18 heures de jeu. C'est pour ça que je vous dis que ça prend énormément de temps pour le finir. Ouais, je connais les personnes qui vont me dire « Ouais, vas-y, joue à... » Qu'est-ce que je peux dire ah non, par contre, tu vas pas mettre tout le fantôme, hein. Fais gaffe, hein. À des jeux qui sont hyper longs comme Ark, des trucs comme ça. Non, mais Ark, je parle pas de... Oula, c'est quoi ça devant? Quelqu'un qui prie? Le bordel. C'est une vraie forteresse. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Le stem part en vrille. On dirait qu'il perd encore davantage en stabilité. Vous n'avez même pas idée. J'imagine que vous y êtes pour quelque chose. Mais un zombie, non, là, mais c'est pas grave. Si je n'y avais pas été contraint, je vais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Je vais sauver Lily. Et cette fois, j'ai tout le matériel nécessaire. Bonne chance. Tiens au courant. Oh non! Accepte ces flammes! Eh, si on prenait ces trucs au gars là. Eh, tu sais quoi, je suis un malade. Je vais le buter. Je vais le buter. Je vais le déglinguer, c'est tout. Je vais le déglinguer. J'ai pas de. Carreau explosif. Je suis un con. Peut-être il est moins puissant lui aussi. Tu sais quoi, je vais le déglinguer. Est-ce qu'on peut le prendre par furtivité? Je ne pense pas. Oh. Putain, mec.
Non. Toi, tu me tues pas, toi. Méchant pavot. Non, mais je suis coincé. Et pourquoi il tire pas? Mais il recherche pas. Mais quel trou du cul, Sébastien. T'as sec, bah je vois ça, ouais. Je vois ça. Fusil d'assaut, pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai plein de pistolets, balles de pistolet, mais attends. Carroir poneur, tout de suite. J'ai plus de carroir poneur, quelle blague. Fusil d'assaut, ouais, fusil d'assaut. Tu seras purifié. Wow. Non. Quoi? Non. Non, j'essaie d'être furtif. Non. Ne me dis pas que c'est encore par contre l'autre gars là, je sais plus comment il s'appelle. Mais non, déglaglé, j'ai fait de conneries. Bon bah je vais me laisser suicider. Hein. Non. Oh mais dégagez. Bizarrement là t'attaques pas hein. J'ai rien comme soin, j'ai rien, bah j'ai rien. Le voilà. Tu n'échapperas pas à tes péchés. Merde. Ah ouais bah forcément hein. Ah attends. Ah bah ouais. Après d'un sens je suis con parce que mon pistolet il fait beaucoup plus de dégâts. Je vais attendre qu'il tue tout le monde. Allez, tue. Non, ça a foiré. Je m'en fous, je m'en vais. Non. Eh ben maintenant que j'ai fait ça en fait, j'ai qu'à sauvegarder comme ça j'ai plus les cinématiques, je suis con. Hop, je sauvegarde. J'espère que l'autre il s'est pas barré là, l'autre lance-flamme. J'ai besoin de lui. Merde, et puis là. T'inquiète qui est là. Quoi? Mec, ça explose! Attends, 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 là je suis concentré. Là. Accepte ces flammes. Le voilà. Oh, tu te calmes. Eh, par contre là j'ai plus rien, j'ai plus rien là. Oh le con, j'ai plus rien, j'ai plus de munitions. J'ai fusil d'assaut. Oh, il est pas mort. Il est pas mort le con. Fusil de Robocop, j'ai encore des trucs, ouais, j'en ai trois. J'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus de munitions, j'ai rien du tout.
Ah! Tu sais. Mais non, mais attends, mais. Je peux rien crafter en plus. Si, j'ai 48 poudres au fait! Ouais, je sais que ça coûte deux fois plus cher, mais bon, tant pis. 4 balles. À purifier. Ah merde. Encore crafté. Balle de pistolet. Allez tant pis, 8. De toute façon, je serais content de mourir. Je suis content, je vous ai expliqué pourquoi. Je suis content parce que comme ça, on peut en crafter en fait. Comme ça, ça me coûtera moins cher et puis je peux en faire plus. Je peux en faire 23 là. Il me reste deux trucs. Bah, je peux faire 2 balles de fusil d'assaut. C'est normal que j'ai plus de. Ou alors, non. Attends, mais déjà, les carreaux harponneurs, j'en fais. Qu'est-ce que je peux faire? Un carreau explosif. Voilà, je pense qu'on est bon là. Ça, j'ai pas assez. Non, mais je pense qu'avec le boss, j'en aurai assez. Il s'agit déjà avec ses flammes. Je sais pas où est-ce qu'il est. Oh, du gel. Attendez, peut-être j'en aurai assez. 12 000, j'en ai assez. Je devrais peut-être sauvegarder. Non. Attends, il est là. Je sais pas si on peut le toucher à la tête en fait. Putain, ça m'a passé à côté quoi. Je suis coincé. Tu ignores son appel. Alors maintenant, je vais prendre le carreau explosif. Boum! J'ai pas pu le faire exploser. Oh, plein dans lui! Tiens! C'est pas suffisant! Tiens, merde, j'ai raté. Merde. Allez, tiens. Tu seras purifié. Tiens. Ah, j'ai pu. Il est hyper fort, hein. Il est aussi fort que O'Neill. C'est bon? C'est pas bon. Non. Tu n'échapperas pas à tes péchés. Oh mais là ça. Eh hey, deux secondes. C'est quoi fusil à pompe? Eh hey, j'ai rien perdu comme vie, par contre là je peux plus courir. C'est quoi, je prends le fusil d'assaut, allez. Allez! Ah, c'est con ça! Ah, du gel, oui! 5000! À prendre. Réservoir de combustible pour lance-flammes. Ce réservoir a été récupéré sur un lance-flammes irréparable. Deux réservoirs devraient suffire pour remplacer ceux d'un lance-flammes fonctionnel. J'avais raison. Et donc, est-ce que j'ai assez? Exactement ce qu'il me fallait. Non, il m'en manque un là. Attends, déjà je vais regarder ce qu'il y a. On va retourner à la planque pour faire des améliorations.
Je pense qu'après ça sera tout pour cette vidéo. Attends, il y a des trucs ici. Oh, une caisse, une caisse, une caisse, une caisse. J'avais déjà ouvert, mais une caisse, une caisse. Attends, déjà. Ouvre. Mais non, mais Sébastien, il est vraiment con. Hein. Ouais, c'est bien. Prends ton temps pour regarder. Combien? 10 balles. J'accepte. Même si j'en ai perdu beaucoup plus, j'accepte. Oh, j'avais pas vu ça. Mais de toute façon, ça lui fait rien, les flammes sur lui. Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Pas un zombie, hein. Ah! Non, ça va, c'est rien ça. Non, mais sérieusement. Ah! Encore! Encore? Encore! Encore! Pourquoi je peux plus taper? Moi je vais taper! Je n'ai plus le droit de taper. C'est interdit par la loi. Bon, et eh ben on va aller voir ce que je peux faire maintenant. En amélioration, je vais améliorer le sprint là. Parce que même si j'ai un très beau sprint pour le moment, il faut encore l'améliorer, le mettre à fond pour courir comme un dieu. Et je ne parle pas de. Il n'y a rien. Ah si! Je ne parle pas de Théodore. Attends. Non, j'ai cru qu'il y avait encore quelque chose d'autre, mais non. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas perdu de vie avec lui. Je me suis même pas fait toucher. C'est parti. Ah, je peux plus me fabriquer de balles, je crois, hein, parce que j'ai tout usé comme un con. Si je dis pas de conneries. Ouais, non, je peux plus rien faire. Par contre, là, il m'en manque encore un réservoir, donc ça veut dire qu'on va en retrouver un. Je vais me refabriquer un truc. Bon, si on en retrouve un, je sais pas comment. J'espère qu'on va pas l'affronter tout de suite parce que là j'ai plus rien vraiment. Il faut des munitions là. Comment puis-je vous aider, inspecteur? Ouais, assis-toi. Il n'y a aucun mal. Oui, tais-toi. Agilité. Vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Hop, sprint. Voilà, je t'ai pas écouté. Alors, vitesse de récupération, le... Ah, ça, j'aurais trop aimé. Bon, non, c'est pas le plus important, ça, c'est quoi? 5000, j'ai assez. Probabilité d'éviter automatiquement une attaque qui vous aurait touché ne fonctionne pas toutes les attaques. Ouais, mais attends, il y a quoi d'autre? Ça, c'est 4000. Après, une attaque suffisante pour vous coûter la vie, vous... Non. 7500, jauge de santé, ça aurait été pas mal. La santé... une mort imminente est augmentée. Non, furtivité, j'ai tout. Combat. Je crois que j'aurais fait ça pour prendre ça. C'est quoi ça? Triangle. Ah oui, mais 75 000. Oui, bien sûr. Quand moins de recul lors des tirs. 6 000, je crois que je vais prendre ça. Sinon, j'ai utilisé le gel rouge là. Ah, c'est quoi ça? Gagner la capacité de étourdir les ennemis à distance ne fonctionne pas tous les ennemis. Chasser X coup de pied lorsque l'icône du coup de pied est affichée. Vous pourrez repousser certains ennemis et étourdir en remplaçant un chasser. L'icône vous indiquera quand vous pouvez effectuer un chasser. Appuyez sur X pour repousser vos ennemis. Ok. Santé. Bah ouais, de toute façon, je peux rien utiliser. Ok, c'est bon. Bon et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas fait, à partager la vidéo et à laisser un petit commentaire. Moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.